Et oui, bonjour tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash Royale. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour tester un combo en avant-première. On est sur le compte développeur Clash Royale, donc ne faites pas attention à toutes les informations qu'il peut y avoir. En fait, c'est pas un compte normal. Et donc les amis, aujourd'hui on va se tester le combo sort de guérison, sort de rage, qui je pense va être extrêmement puissant. Alors je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose à faire parce que ça coûte quand même très très cher. On va se tester ça avec le géant tout d'abord, ensuite on se fera ça avec justement les autres cartes, on fera ça avec les barbares d'élite, avec le cochon, etc, etc, le géant royal. Et donc les amis, si vous voulez plus de vidéos comme ça, des vidéos très spéciales, les vidéos en exclusivité, n'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus. Et on se retrouve directement pour la première pour le premier petit test avec le géant soin rage, c'est parti. Et ça y est les amis, nous avons notre combo en main. Donc le géant rage, sort de soin. Je vous rappelle que le sort de rage dure pendant 7 secondes et demie, que le sort de guérison dure pendant 3 secondes. Donc écoutez, c'est parti avec le géant rage qu'on envoie directement. On va défendre avec une petite Tesla, voir si la Tesla peut résister. Et on met le sort de guérison pour guérir le géant. Ok, donc là, ok, on va essayer de mettre une mousquetaire pour défendre. Et vous voyez que, en fait, ça fait beaucoup de dégâts. Le géant qui était tout seul, donc vraiment le géant qui a pu se faire plaisir, qui a détruit la Tesla en moins de 2. Faut savoir que la Tesla a quand même pas mal de vie et pas mal de points de dégâts. Donc franchement, sans le sort de guérison, le géant aurait crevé. On va se retester ça face à une tour à bombe, les amis. Donc c'est parti avec le géant qu'on envoie. On envoie également le sort de rage et le sort de soin. Alors on va peut-être pas l'envoyer tout de suite, le sort de soin. On va attendre un peu. Le sort de guérison qu'on envoie tout de suite pour contrecarrer la tour à bombe. Là on va essayer de défendre avec des petits archers en plus, voir si le géant peut passer. Ok, donc la tour à bombe qui a fait beaucoup de travail, les archers qui défendent un peu. Bon, vous voyez, face à un bâtiment un peu plus costaud comme la tour à bombe, le géant ne passe pas malgré le sort de rage et le sort de soin. Bon, par contre, quand il y a deux géants, des squelettes et un sort de soin, je peux vous garantir que là, la tour, elle ne fait pas long feu. Magnifique fini, je vais pas de trappa, magnifique. On va maintenant tester avec le baril de gobelin. J'ai hâte de voir ce que ça donne, les amis. Baril de gobelin, sort de rage, sort de guérison, c'est parti. Alors, le baril de gobelin sera défendu par des archers. Donc, écoutez, c'est parti, les amis. On envoie le baril de gobelin, le sort de rage et le sort de soin en plein dedans. Et on envoie les archers en défense. Est-ce que les gobelins peuvent faire un gros... Oh là là, regardez-moi ça. Le baril de gobelin qui était quasiment, quasiment invincible. Alors, il faut simplement comparer ça avec si on avait le fait qu'on n'ait pas mis le sort de soin. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Allez, donc le baril de gobelin rage, on va voir comment ça se passe. Ouh, je l'ai mis un peu sur la gauche. Allez, le baril de gobelin rage, est-ce que ça fait un aussi bon effet qu'avec le soin? Ok, on voit qu'ils sont beaucoup plus fragiles. Ouais, on voit que le sort de soin a permis d'envoyer 300-400 dégâts supplémentaires. Donc, un petit sort de soin plutôt sympathique avec le baril de gobelin. Voyons maintenant ce que ça peut donner avec un bélier de combat. Le bélier de combat qui est, vous le savez, très 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 fragile. Alors là, il est au niveau max. Mais si on le met au niveau du tournoi, voilà, il a 1100 points de vie, ce qui reste assez faible. On va découvrir ça tout de suite avec le sort de soin et le sort de rage. Le bélier de combat sera défendu avec des archers. Donc les amis, c'est parti. On va envoyer justement le bélier de combat, le sort de rage et le sort de soin. Je pense que le sort de soin peut faire un effet de ouf. Regardez-moi ça, le bélier de combat qui reste en vie et qui permet de garder les barbares en vie. Et là, on voit que la tour prend très très cher. Je pense que le sort de soin peut être pas mal sur un bélier de combat. Par exemple, vous mettez un golem de glace avec un bélier de combat. Je pense que ça peut être un truc de ouf. On va se le tester directement. On va se le tester. Allez donc les amis, on va se tester le petit golem de glace, bélier de combat, sort de soin, sort de rage. Je pense ça être la folie, un combo qui coûte 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ça coûte 11 élixirs, donc je pense que ça va être très très lourd. On va défendre avec justement une petite mousquetaire, et c'est parti les potes avec le golem de glace, le bélier de combat, le sort de rage et le sort de soin. Let's go. Alors là, je l'ai mis trop bas, le sort de soin, malheureusement. Le sort de soin qui a été mis trop bas, mais vous voyez que ça fait un travail exceptionnel. Le sort de soin qui a... Oh là là, regardez-moi ça, les barbares qui sont toujours en vie. Après, c'est vrai que j'ai défendu qu'avec une mousquetaire, donc forcément, quand le mec vous envoie 10 élixirs, il faut défendre avec une mousquetaire et des archers ou alors quelque chose d'autre. Mais en tout cas, on a vu l'efficacité vraiment totale de ce sort de soin avec le bélier de combat. Bon, les potes, j'ai pris les barbares d'élite, je pense qu'on va se taper des grosses barres. Les barbares d'élite seront défendus par une petite fournaise. Alors la fournaise qu'on va placer ici, et c'est parti avec notre petit combo. Barbare d'élite, sort de soin, sort de rage. C'est parti les amis. Alors là on va juste faire tourner les cartes, voilà, pour avoir d'abord le sort de rage. On envoie le sort de rage, on a le sort de guérison qui arrive dans très peu de temps. Allez, le sort de guérison ici sur les barbares d'élite. Est-ce que ça peut faire du gros massacre? Effectivement. Alors là j'ai placé le sort de soin plutôt pas très bien, puisque justement le sort de soin a été placé un peu trop derrière. J'aurais dû le mettre sur les barbares d'élite, mais vous avez vu que ça avait fait un gros travail. Donc là le combo coûte 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est quand même très très cher, 11 élixirs les amis. Faut pas croire que voilà, 11 élixirs c'est énorme, c'est le prix d'un molo, c'est d'un bébé dragon. Donc c'est très très cher. Donc normal que ça fasse des dégâts.
Et les amis, afin de terminer cette vidéo, testons maintenant le genre royal enragé et soigné. On va mettre, je pense, une petite mousquetaire archer pour défendre. Voilà, voir si ça peut défendre assez bien. Donc, on va directement placer la mousquetaire et les archers pour défendre le genre royal qui va arriver dans quelques instants. Et on envoie le genre royal avec le sort de rage et le sort de soin, les amis. Alors, voilà, ça fait des dégâts. Le genre royal qui est soigné. Incroyable. Incroyable le sort de soin qui fait effet pendant 3 secondes. Donc ici... Franchement, bon, je m'attendais à pire, enfin je m'attendais à mieux de la part du géant royal. C'est pas mal, c'est-à-dire que le géant royal, même si vous mettez un sort de soin et un sort de rage, ne détruira pas la tour totalement. Donc franchement, je suis assez content pour le coup. Allez, pour bien finir la vidéo les amis, nous allons tester le combo avec le chevaucheur de cochon. C'est parti. Alors là, je pense que le plan, ça va être de mettre golem de glace, chevaucheur, sort de rage et sort de soin. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, il y en a pour 11 élixirs les potes, donc on va voir ce que ça va donner. On va défendre avec, je pense, une petite Tesla camouflée qui fait d'habitude un gros travail contre le cochon. C'est parti. Ok, donc on place d'abord le golem de glace, ensuite le chevaucheur, ensuite le sort de rage et le sort de soin qui arrive directement. Ok, donc là malheureusement c'est le golem de glace. Ouh, dommage, c'est le cochon qui a pris tous les dégâts. Mais le golem de glace qui reste en vie. Oh là, regardez-moi ça les amis, ce combo de ouf. Et donc là la tour qui est prise. Voilà, en même temps les amis c'est normal parce qu'on met quand même 11 élixirs en face, on a défendu avec seulement 4. Donc c'est tout à fait normal, 11 élixirs c'est juste énorme. Mais ce qui est ouf c'est que le cochon, il lui reste quand même pas mal de vie. Et il va s'attaquer à la tour centrale. Donc c'est vraiment un truc de ouf ce petit combo avec le cochon. C'est vraiment pas dégueulasse. Et voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo était en exclusivité, en partenariat avec Supercell sur le compte développeur, donc j'espère que ça vous a fait kiffer, moi en tout cas j'ai kiffé de voir le sort de guérison avec le sort de rage et les autres cartes et le cochon, le géant, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, on se retrouve bientôt, enfin tous les jours pour de nouvelles vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner, et je vous fais des gros bisous, ciao ciao.